Bonjour, je suis Clotilde, responsable onboarding chez Upto. Aujourd'hui, je vais vous parler intégration et de comment réussir rapidement son intégration dans son nouveau job de commercial. Par où commencer? Finalement, c'est la première question qu'on se pose lorsqu'on reçoit son portefeuille de clients ou son portefeuille de prospects. Lesquels sont prioritaires? Est-ce que je dois d'abord appeler mes clients? Est-ce que je dois d'abord prospecter? Finalement, où est-ce que je dois mettre mon énergie en premier pour réussir mes objectifs? On peut décomposer votre arrivée en trois étapes. Première semaine, premier mois, premier trimestre. Commençons par la première semaine. Si vous ne deviez faire qu'une chose, la première semaine, c'est écouter. Et poser des questions pour obtenir les informations dont vous avez besoin pour bien faire votre job. Quel est le pitch commercial? Comment le dire avec le bon ton et le bon impact? Quelles sont les spécificités techniques du produit et les avantages concurrentiels? Quelles sont les objections courantes et quelles réponses on peut apporter? Avant de prendre votre téléphone ou d'aller en rendez-vous, vous devez d'abord maîtriser votre manière de vendre. Et la meilleure manière d'y arriver, c'est d'écouter et de réapprendre. Ce qui m'amène au premier mois. Comment réussir vos 30 premiers jours? En vous entraînant. Le premier mois est un investissement pour vous. C'est le moment pour tester, pour répéter et pour progresser sur votre manière de bien vendre votre produit. Demandez des feedbacks à votre manager et à vos collègues, réécoutez et analysez vos appels pour voir où est-ce que vous pouvez faire mieux. Demandez également aux bons commerciaux de votre entreprise de les accompagner en rendez-vous pour voir comment ils se déroulent et pour voir comment ils signent les contrats. La vente, c'est un peu comme le sport. Plus vous pratiquez, plus vous vous entraînez, plus vous avez de chances de devenir un bon commercial. Et pour ça, vous allez avoir besoin d'un bon coach. Premier trimestre. La clé de la réussite de vos 100 premiers jours, c'est d'avoir une feuille de route claire. Pour cela, définissez le plus rapidement possible avec votre responsable ce qu'il attend de vous. Quels sont les indicateurs qui lui feront dire que vous avez bien fait votre job? À partir de ces informations, vous allez pouvoir développer votre organisation commerciale et des automatismes qui vous permettront de facilement dépasser vos chiffres. En résumé, voici mes 3 conseils pour réussir votre intégration. L'écoute, l'apprentissage et avoir une vue claire sur votre trajectoire. Tout ne pourra pas être maîtrisé le premier mois, et heureusement, en moyenne, un commercial a besoin de 6 à 9 mois pour être autonome. C'était quelques exemples tirés de notre checklist des 100 premiers jours du commercial. Rendez-vous en commentaire pour avoir d'autres conseils. À bientôt !